Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Voilà. Bon après-midi à tous, à tous les Congolais, ceux qui sont en ville et ceux-là qui sont au village. Mes salutations vont plus particulièrement à mes frères de la province du Kivu, de là où je proviens, pour la bravoure dont ils ont fait montre en affrontant la toute-puissante armée mafieuse dénommée la MONUSCO. Eh bien, il a fallu que les Kivusiens se dressent devant cette attaque pour que la MONUSCO puisse être délogée du Congo. Ça n'a plus que quelques jours, hein, comme vous avez vu, pendant qu'ils nous ont occupés pendant presque une vingtaine d'années, plus que ça d'ailleurs, parce qu'on était naïfs, on croyait en cette armée qu'elle était venue nous protéger. Nous avons donc souffert de la naïveté et surtout de la perte de mémoire. Nous, les Congolais, nous avons oublié que c'est cette même armée qui a causé la mort de Lumumba, qui l'a capturé et qui a fait que le tout premier gouvernement démocratiquement élu tombe et que les Congolais et leur pays soient plongés dans l'imbroglio depuis qu'ils avaient arraché l'indépendance d'un monde de criminels belges. Bravo donc à mes frères kivusiens, frères et sœurs. Vous êtes des héros de ce pays, quand bien même qu'il n'y a pas encore un monument construit à votre mémoire. Que la MONUSCO et ses complices le veillent ou pas, ils vont partir. Malgré tous les programmes qu'ils ont donnés, qu'ils cherchent à négocier avec ces gouvernements boiteux et de mafieux, eh bien, comme l'adage le dit, un fruit mûr ou pas mûr, devant l'ouragan de l'histoire, il tombe quand même. Et la MONUSCO est tombée devant la résistance et la confrontation avec les autochtones de la région, de la province la plus enviée du Congo, celle du Kivu. Cette province et le Congo tout entier donnent des cauchemars au maigrichon président du Rwanda, le criminel Paul Kagame. Il ne dort pas ce type-là. Il est insatisfait de son petit territoire qu'il a. Pour lui, ça ne le satisfait pas. Il rêve toujours de devenir président, si pas propriétaire du Congo, et que, en devenant président du Congo, cela pourrait lui donner une éternité et une sorte d'immortalité sur cette terre. Ce qui n'est pas possible. Malgré tout ce qu'il a pu amasser, tout ce qu'il a pu voler, ce messier n'est toujours pas satisfait. Il ignore qu'il est mortel. Il ignore qu'on est en train de l'utiliser, que ceux qui l'utilisent n'érigeront jamais un monument en son nom, parce qu'ils l'ont fait partout avec des marionnettes. S'il se rappelle seulement
de Monsieur Daniel Noriega, je pense, de la Colombie, qui était l'allié de George Bush en trafiquant de la drogue. Et comment est-ce qu'il a fini? S'il se rappelle seulement de la façon dont Saddam Hussein, qui avait été fabriqué par l'Amérique et qui a fini par être pendu comme un chien publiquement, s'il se rappelle du tout-puissant maréchal Mobutu Sese Seko, qui est mort honteusement, s'il se rappelle seulement de Jonas Savimbi, qui leur donnait de fûts et de fûts de diamants, et qui a fini par être tué, et le corps exhibé presque nu, avec des mouches sortant de sa bouche ou voltigeant sur son visage. Et il y a beaucoup d'autres exemples à foison. Il y a beaucoup d'exemples à foison pour lui montrer qu'il passe son temps pour rien. Lui et son frère Yoweri Museveni, qui est un Tutsi rwandais comme lui. Ils ne savent pas lire les signes de l'histoire. On les utilise aujourd'hui. On va les jeter dans la poubelle de l'histoire comme des morceaux de citron après qu'on ait tiré le jus des. Mais sans doute, là où ils seront, ils se diront qu'on a vécu, on a été des leaders pendant des années et des années, et nous avons laissé nos enfants pour nous remplacer, comme nous tous, nous vivons dans des républiques héritières. Mais ça ne leur donnera pas un passé glorieux. Monsieur Paul Kagame passe son temps pour rien. Il doit savoir que le Congo ne sera jamais balkanisé. Le Congo, ce n'est pas la Yougoslavie. Le Congo, ce n'est pas le Soudan. Le Congo, c'est autre chose. Il y a dans le Congo ce que Bob Marley a appelé natural mystic, une mystique naturelle, et que tu ne parviens pas à comprendre, tu ne parviens pas à sceller, que tu as tout fait. Tu as tout fait, on t'a donné tous les appuis possibles pour t'emparer de ce vaste étendue qu'on appelle le Congo. Cette vaste étendue, c'est comme une pierre que tu veux avaler, hein, alors que tu n'es qu'un crapaud. Cette vaste étendue est comme un éléphant. Toi, en tant que crapaud, tu voudrais avaler un éléphant. C'est une mission impossible, monsieur Kagame. La boulimie que tu as qui te motive montre combien de fois tu souffres de la démence. Tu es un dément. Tu as essayé. Tu as fait tuer presque tous tes soldats chez nous au Congo. Et tu vas maintenant vers le nord, chez tes frères, les Somaliens, les Éthiopiens, les Érythréens, et patati et patata. Tu as même créé un tandem avec l'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson. Et malheureusement, tu as vu comment est-ce que il se butait contre une pierre. C'est la mystique naturelle. Il a fini par démissionner. Il était l'un de tes alliés les plus sûrs, comme les Tony Blair, qui reste chez toi et à qui tu donnes des petites filles. Tu crois que
les sexes de tes filles et que tu crois sont des anges dépassent le sexe des autres femmes. C'est ça, ton arme fatale que tu utilises pour corrompre le monde entier, le sexe et le mensonge et la ruse. Monsieur Paul Kagame, tu es ce que Frantz Fanon avait appelé, je pense Frantz Fanon, peau noire, masque blanc. Ce que nous appelons des blancs, parce que nous savons que les blancs n'existent pas. Je me demande sur le mat si tu es noir. Je me demande si tu es africain. Si tu es panafricain. Parce que nous, les panafricanistes, nous ne nous comportons pas de la façon dont toi et ton frère, vous souvenez, vous vous comportez, vous deux. Vous êtes totalement différents des noirs. Au lieu de créer un front pour que nous puissions lutter contre les esclavagistes, les occidentaux. Toi, tu passes ton temps à exterminer ta race. Tu te trompes. Sache-le bien que les Européens, les occidentaux n'érigeront jamais un monument en ton nom. Tu n'es qu'un chien de guerre. Et alors, chien d'aller, vrai sens de l'animal. Très souvent, les propriétaires du chien l'utilisent à l'époque de la cueillette et de la chasse. Le chien va chasser d'autres animaux, il les attrape, ou avec son effort et sa voix, quand il aboie, il panique les autres animaux. Et son maître vient pour tuer, achever cet animal-là, qui est un animal comme lui, le chien. Et dès qu'on arrive à la maison, le maître du chien, il s'arroge le privilège de manger les parties les plus doucereuses de la viande, la chair et tout ça, et les os ou les intestins pourris. Il les donne au chien. Et quand le chien meurt, il les jette quelque part, sans sépulture, sans rien, sans honneur. Alors que le chien a rendu des services loyaux à son maître. Ne restera dans sa tête que des souvenirs qu'il avait un tel chien, qui savait très bien chasser les autres animaux. C'est ce que tu es. Tu es un chien. Et ce qui te manque, derrière ton anus, c'est une queue. Mais ton visage, quelque part, quand on étudie ton visage, tous les faciès, nous montre que tu es un animal parce que tu es le président le plus laid du monde. Ta bouche est pointue, c'est un museau d'un animal. Tu es totalement laid. Il en est de même avec Museveni. Avec sa tête qui est semblable à une pirogue mal taillée. Tu crois qu'en massacrant les autres noirs, ça va te donner une longévité. Regarde les Américains. Ils sont allés exterminer tous les Amérindiens. Ça n'a pas donné l'éternité aux Américains, malgré les 250 années et plus qu'ils ont dépassé là-bas. Oui, c'est d'une génération à l'autre, mais ceux-là qui sont allés tuer et exterminer les Amérindiens sont déjà morts. C'était la cupidité, les grids. Ce qui les a poussés à aller tuer ces gens. Nous savons que le problème s'est trouvé en Europe avec le système seigneurial de l'époque
de la féodalité où les rois étaient propriétaires de tous les terrains, de toutes les terres, en fait. Il a fallu qu'on explore de nouveaux mondes. Et malheureusement, ils ont rencontré des gens qui n'avaient pas totalement une grande notion de technologie, d'armement. Pendant qu'ils se défendaient avec des morceaux de bois, vous aviez déjà fait un grand pas en utilisant le fer, les métaux que vous avez copiés chez nous, les Africains. Vous avez fait ça en trouant dans les Amérindiens comme Hernán Fernández l'avait fait en allant truander l'empereur aztèque Montezuma. Il avait rencontré avec des gardes du corps qui n'avaient que des morceaux de bois. Et voilà, il avait pris en otage avec des bandits qui l'accompagnaient, qui étaient déjà armés avec des couteaux, de longs couteaux tranchants. Mais ça n'a rien ajouté à leur longévité. Ils sont tous morts. Ce sont leurs héritiers qui continuent à déranger le monde comme aujourd'hui. Heureusement, nous avons quelqu'un de plus éveillé aujourd'hui qui voudrait inaugurer le commencement d'un nouvel ordre mondial multipolaire en la personne de M. Vladimir Poutine. Voilà ce qu'un patriote, un humaniste doit faire. Toi, tu ne l'es pas. Tu n'es qu'un petit radin, un petit égoïste, un pauvre. Tu es né et grandi dans la pauvreté. Malgré tout ce que tu racontes, par-ci, par-là, que tu es né d'une famille royale, une famille princière. Mais qu'est-ce que vous aviez? Parce que vous êtes venu du Nord, vous avez rencontré les Hutus et les Batois dans leur territoire. Qui connaît ta famille, que ta famille était une famille royale? Famille royale dans et sur quelle terre? Parce que vous avez rencontré les Hutus là-bas. C'est de l'arrogance, c'est de l'orgueil. Monsieur Kagame, le monde a connu de plus dictateurs que toi. Ils se sont tous étiolés. Hitler est demeuré l'intouchable. Le tout-puissant Hitler, Adolf Hitler. Il a fini par mourir. Bien que quelque part, il défendait des valeurs nationalistes allemandes, malgré la déformation de la version de l'histoire qu'on a appris au monde, Hitler défendait certaines valeurs. Le mal est qu'il a tué les gens, ce qu'il a appelé la solution finale, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement quand l'économie de son pays était sabotée par les Juifs. Et malgré les avertissements qu'il donnait aux Juifs, il ne voulait pas changer. Il a décidé de ce qu'il a appelé la solution finale. Ce n'est pas pour autant que nous soutenons le massacre des gens, mais je voudrais juste te dire que il a tué parce qu'il se battait pour une cause. Toi, tu te bats pour quelle cause? À part voler, haïr les gens, exterminer tes compatriotes et aller au-delà de ta frontière pour tuer les autres gens. En peu de temps, tu as tué 3 présidents de la sous-région, le président du Burundi, le président du Rwanda et le président du Congo, Laurent Désiré Kabila. Toi, tu penses que tu ne vas pas mourir? Charles Taylor se faisait appeler « The American Boy ». Il amputait les mains des gens,
Il tranchait les têtes des gens. Tout cela qui ne lui amenait pas de dames et femmes de diamants. Il est tué. Et cela a produit un film que tu connais, Blood Diamond, le diamant du sang. Où est-ce qu'il est aujourd'hui? Bien qu'il soit vivant, mais quand on passe sa vie dans le bagne, ça prouve qu'on est privé de ce qu'on peut appeler ses droits et libertés et qu'on ne voit plus rien. Il en sera de même avec toi. Prends ce que je te dis comme avertissement, comme prophétique. L'Occident n'a plus ce pouvoir que toi, tu crois qu'il détient. Un nouvel ordre mondial est né. Et ils vont se débarrasser de toi, comme ils se sont débarrassés de Mobutu. Mobutu avait fait un travail de titan au Congo pour rouer en érigeant un mur anticommuniste en Afrique au bénéfice des Occidentaux qui craignaient le communisme en Angola, bien qu'après tout, le MPLA, qui est un parti communiste, s'était converti à l'économie du marché. Ils avaient fait perdre du communisme au Mozambique, perdre du communisme en Guinée-Bissau, perdre du communisme presque partout. Alors Mobutu était le bulldozer et il était aussi le bulldog qui aboyait partout, mais qui ne se comportait comme toi. Il ne se comportait pas comme toi. Mobutu n'allait pas tuer les gens au Rwanda, en Ouganda, au Burundi, bien qu'il ait envoyé des troupes au Tchad. Quand, vous savez, le fait président Kadhafi voulait, enfin, avait envahi la bande d'Aouzou. Quand bien même que Mobutu avait envoyé des troupes en Angola, ce n'était pas totalement pour aller exterminer les Africains. Toi, ton objectif poursuivi, c'est exterminer les gens et finalement tu vas régner sur qui? Quand le monde se réveillera, le monde découvrira que le Rwanda, c'est un pays vide, un pays de femmes. Car leurs fils, leurs maris, leurs oncles ont tous été exterminés dans une guerre injuste au Congo où tu les envoies. Tu as vidé presque toutes tes prisons en envoyant tes confrères, tes compatriotes au front au Congo. En utilisant le népotisme où toute la structure de l'armée rwandaise n'est remplie que de Tutsis. Et tu prends les Hutus en général en prison, tu les trompes qu'il y aura du boulot au Congo. En ayant deux mois, trois mois, ils peuvent tous conduire des voitures et acheter des maisons. Nombreux parmi eux viennent mourir chez nous. Bien qu'ils cherchent à nous exterminer, mais beaucoup de tes soldats sont morts chez nous. Tu dois dire la vérité et avouer cela, monsieur Paul Kagame. Tu dois cesser de mentir. C'est une honte, vous savez. Tu viens chez nous au Kivu, mais nous, le Maïmaï, nous t'avons provoqué.
nous ne sommes pas faciles. Nous ne sommes pas un morceau facile à écraser. Garde cela dans ta tête que les Kivusiens sont le cadenas de la République démocratique du Congo. Nous sommes le cadenas de Padlock et la clé en même temps. C'est nous qui fermons et c'est nous qui ouvrons le même cadenas pour laisser passer les gens. Il y a une vacuité dans ta tête où tu ne parviens pas à te renseigner sur le passé historique de l'humanité, ni du présent, et tu n'envisages même pas l'avenir. Tu te crois un passage obligé, M. Kagame. J'ai pitié de toi que tu es un chien qui va mourir comme ça. Tu vas laisser le Congo comme il est. Tu n'as pas la puissance. Tu n'as pas les atouts. Tu n'es qu'un état parasite. Un état gourmand qui n'a rien. Un état jaloux. Tu mobilises le monde entier avec des manifestations. Congolese are killing Rwandans. Mais vous avez un chez vous, vous qui vous appelez des Banyamulenge. Mais vous avez un territoire, que cela soit riche ou pauvre. Mais c'est chez vous. Pourquoi vous venez chez nous? Pourquoi vous mentez partout? Vous êtes des Congolais. Alors que l'histoire les prouve. On n'a pas besoin d'aller au musée de Terfouren. On n'a pas besoin de chercher des experts européens pour vous dire que vous n'êtes pas des Congolais et vous ne le serez jamais. Un des premiers éléments d'être complice, la MONUSCO, va partir. Et elle partira. Je venais de te le dire. Devant l'ouragan de l'histoire, mûr ou pas mûr, un fruit tombe quand même. MONUSCO va partir, malgré ses manœuvres dilatoires de chercher à retarder son départ. Un groupe déterminé de Kivusiens vous a prouvé le contraire. Eux qui n'étaient pas armés, vous qui êtes armés jusqu'aux dents, avec les armes de la dernière technologie comme ton groupe de terroristes de M23, s'en est réclamé avec le porte-parole Makenga qui disait qu'ils sont plus équipés que l'armée congolaise. Et même le porte-parole de MONUSCO a avoué, il a admis ça, que ton groupe de bandits de M23 est mieux équipé que la MONUC, que la soi-disant armée congolaise. Alors, M. Kagame, tu dois raisonner deux fois. Tu dois savoir que nous, les Noirs, nous avons beaucoup souffert, ayant été la première race sur Terre. Sur tout le 5 continents ou le 6 continents, il y avait des Noirs. On nous a exterminés par tes maîtres que tu sers. Nous qui sommes restés en Afrique, nous avons résisté. Peut-être c'est à cause de la forêt tropicale, comme nombreux parmi nous avaient fui à l'intérieur. Malheur à ceux-là qui étaient sur les voies côtières, qu'on attrapait facilement et qu'on amenait en esclavage. Il y avait des Noirs en Amérique. On les a décimés. Ils ont été aussi. Nouvelle-Zélande. Australie. En Chine, au Japon,
Au Vietnam, il y avait des Noirs. Et tu peux voir que toute l'Asie, c'était un continent de Noirs. Quand tu regardes leur nez et leur trait morphologique. Les Japonais, n'en parlons même pas, ce sont des Noirs parce qu'ils ont nos noms à nous. C'est presque le même continent. Alors, le peu d'Africains qui sont restés en Afrique, qui cherchent à se multiplier, toi, tu te portes comme candidat terroriste pour les exterminer. Malgré toutes les maladies que tes maîtres préparent dans les laboratoires, pour exterminer la race noire. Tout cela ne te dit rien, monsieur. Et tu as des enfants. Tu ne penses pas à la vie de tes enfants. Si tu tues les enfants des autres, que sentiras-tu toi si tu perdais les tiens? Monsieur Kagame, c'est une honte d'être ce que tu es. Chaque fois quand tu ouvres la bouche, c'est pour mentir. Je sais que toi, tu appelles la politique, monsieur. Tu appelles ça la politique? Ça, ce n'est pas une politique, monsieur. Tu passes ton temps pour rien. George Bush avait ordi les coups, lui et Lyndon Benson, pour tuer John Fitzgerald Kennedy. Mais aujourd'hui, Lyndon est mort. George Bush aussi est mort. C'est une honte. Et ils ont laissé tout ce qu'ils ont pu amasser comme argent. Toi aussi, tu vas mourir. Et le Rwanda restera le Rwanda. Le Burundi restera le Burundi. Le Congo n'en parle même pas. Alors, pendant tout ce temps, pendant que les Kivusiens se battaient contre la UNESCO, l'autre côté du Congo, à Kinshasa, le soi-disant président avait organisé une fête de distribuer des véhicules aux professeurs. Soi-disant professeurs d'université, des professeurs qui n'ont pas honte. Ils s'alignent comme des enfants orphelins, recevoir des clés et remercier un voleur qui les corrompt en public. Alors, messieurs les soi-disant professeurs émérites, quelle valeur reflétez-vous aux yeux du public et surtout des étudiants qui sont dans les auditoires quand vous parlez, quand vous dispensez vos cours. Vous avez montré une légèreté que vous ne valez absolument rien. Ce n'est pas ça qu'il vous faut. C'est vous qui devriez être le fer de lance de la révolution. Comme cela s'est fait ailleurs dans d'autres pays. Ce sont les soi-disant intellectuels qui éclairent le public qui est dans le noir. Mais vous, vous êtes dans le noir. Vous vous précipitez pour des petits biens matériels. Ce n'est pas ça que vous méritez. Ce n'est pas ça vos droits. Ceci est man de moi. VIP. Je m'adore VIP qu'il allait pour le Congo de Lumumba, de Kasavubu, de Kimpavita, de Kimbangu qui n'a jamais été un chrétien et qui n'a jamais créé une église, pour tous les martyrs congolais. Et pour tous les Congolais qui luttent pour que le Congo soit. Kagame, tu es en demain. Ba Congolais nyo soto ba ngba iba, il faut battre la racite nini. Ah, soko uzali Congolais ya solo et sengeli otala bobele Congo dialogue. Congo dialogue. Eh, tembete. Osasi. Soko uzali Congolais ya solo okokiko zanga mokolo mokote et sengeli otala bobele Congo dialogue. Oyeba makambo mazali koleka kuna. Donc www.congodialogue.com. Soko za Congolais ya solo
Congo dialogue. Congo dialogue.com.